c'est le début d'une grande année pour le climat. Nous allons avoir Sendai, les risques climatiques. Ensuite, nous avons, au mois de juillet, à Addis Abeba, une réunion sur le financement. Ensuite, en septembre, une réunion sur les objectifs de développement. Et à la fin de l'année, à Paris, la grande conférence sur le dérèglement climatique. Tout ça, c'est la même question. Et donc, il faut qu'à Sendai, on avance pour qu'il y ait des meilleurs mécanismes d'alerte de la population lorsqu'il y a des grandes catastrophes, et qu'on intègre le risque de catastrophe dans la construction et qu'on travaille aussi sur comment alléger les conséquences des catastrophes. Voilà, c'est ce que j'attends de cette année. C'est très important parce que 70% des catastrophes auxquelles on pense, par exemple les tsunamis, par exemple les grandes sécheresses, par exemple les grandes tempêtes, 70% de ces phénomènes dits naturels ont pour origine en fait le dérèglement climatique. Donc les deux sont liés. Si on lutte bien contre le dérèglement climatique, contre le réchauffement climatique, on diminuera les risques de catastrophe. Et donc j'attends que le Sendai soit positif, ce qui permettra à Paris, à la fin de l'année, d'être également positif.